C'est en marchant en pirogue sur le lac Nokwe que je me suis rappelé que j'avais été autrefois sur le lac de Grandlieu. Pendant les vacances, on se retrouvait entre les étudiants ici pour faire des promenades avec certaines aventures parce qu'on a coulé plusieurs fois la barque. Et puis il y avait des macres, des châtaignes d'eau. Et là, on en avait plein les pieds des épines. Alors, c'est des souvenirs piquants qu'on se rappelle très bien. Alors, donc, sur le lac Nokwe, j'ai pensé à ça. Deux lacs, pas pareils, bien différents. Un lac salé et un lac d'eau douce. Mais, puisqu'on parle souvent de jumelage, pourquoi pas essayer de faire le lien entre ces deux lacs-là. De par sa construction, de façon innée et inéluctable, le cinématographe représente l'univers comme une continuité perpétuellement et partout mobile, bien plus fluide et plus agile que la continuité directement sensible. La vie va et vient à travers la substance, disparaît et reparaît végétale où on la croyait minérale, animale où on la croyait végétale et humaine. Rien ne sépare la matière et l'esprit. Une identité profonde circule entre l'origine et la fin, entre la cause et l'effet. Le cinématographe détient le pouvoir d'universelle transmutation.